du fromage dans du pain français. C'est si bon. Illogique. Pourquoi? Si tu mélanges deux aliments, tu mélanges aussi les goûts. Donc, tu ne goûtes plus la même chose. T'as raison. Mais la façon de combiner les goûts est un art et cela n'a rien à voir avec la logique. Tout ce que je peux te dire, c'est que celui qui a pensé à mettre du fromage dans du pain français est un grand artiste. Au fait, je me demande pourquoi on appelle ça du pain français. Selon la logique, il y a deux hypothèses. Un, c'est un pain fait en France. Pas du tout. Il est fait ici, regarde. Boulangerie de Montréal, Canada. Deuxième hypothèse. Ce sont les Français qui ont inventé le pain. Pas bête, mais ça reste à vérifier. Bon. Pain. Ah! Le pain existe depuis plus de 10 000 ans. Hey, c'est beaucoup plus vieux que nous, ça! Des chercheurs ont trouvé dans des ruines la preuve que les plus anciennes civilisations du monde faisaient du pain. Copernic, depuis combien de temps la France existe? Aucune réponse. Il me manque des informations. Ben, regarde dans notre fichier d'histoire. Logique. Charles II a été le premier roi de France en l'an 840. 840? Ça veut dire que la France n'existe pas depuis 10 000 ans. Donc, ce ne sont pas les Français qui ont inventé le pain. Ta logique fait encore défaut, Copernic. Ah tiens, on explique aussi comment on fabrique du pain. Il y a 10 000 ans, on fabriquait du pain en broyant des céréales pour faire de la farine et on y ajoutait un peu d'eau pour obtenir une pâte lisse qu'on laissait sécher avant de la manger. Seulement de la farine et de l'eau, ça devait faire du pain dur. Plus tard, on a ajouté de la levure à la farine et à l'eau pour faire gonfler le pain et lui donner une texture plus spongieuse. Intéressant, c'est la levure qui fait gonfler le pain. Logique. Levure vient du mot « lever ». Ensuite, on a perfectionné la cuisson du pain en construisant de véritables fours en briques et on a trouvé de nouvelles méthodes pour moudre le grain qui donne la farine. Malgré les nombreuses évolutions qu'elle a subies depuis 10 000 ans, la fabrication du pain est restée très simple. On tamise la farine, on la pétrit ensuite avec de l'eau, du sel et de la levure. On attend que la pâte gonfle et on la fait cuire. C'est simple, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, toutes ces opérations se font à la machine. Les machines sont efficaces. Normal, c'est nous qui les avons inventées. Ouais, je sais maintenant comment on fabrique du pain, mais ça ne me dit toujours pas pourquoi on appelle ça du pain français. La réponse est ici, dans l'univers de la cocologie. Oui, oui, je sais, il suffit de la trouver. Bon, laisse-moi réfléchir un peu. C'est long.
Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je n'ai qu'à communiquer avec un boulanger en France. Lui, il va me donner la réponse. Logique. Tu es prêt? Positif. Attention, la France, on arrive. Où suis-je? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui es-tu? Ce serait plutôt à moi de te poser la question. Je me nomme Katou. Et toi? Julien. Moi, c'est Copernic. Qui a parlé? C'est lui, mon robot ordinateur. Enchanté. Il bouge aussi? Évidemment, je ne suis pas idiot. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. D'où viens-tu? Cette fois, c'est à moi de poser la question. Où sommes-nous? On est dans ma chambre. Ta chambre? Oui, quand j'éteins Copernic, c'est ma chambre. Sinon, je me retrouve dans l'univers de la cocologie. Oh, excuse-moi, c'est un petit peu en désordre. La cocologie. Toutes les connaissances du monde sont dans cette sphère. Tant mieux. Tu vas pouvoir me dire comment il se fait que je me retrouve ici. Simple. Tu as été télétransporté. Télé quoi? La télétransportation. C'est une technique qui permet de transporter les objets et les êtres humains d'un endroit à un autre. C'est impossible. On ne peut pas déplacer un objet et encore moins une personne d'un endroit et la faire apparaître dans un autre endroit. On ne peut pas la faire passer à travers les murs. Moi, je peux. La preuve, c'est que je suis ici. Logique. C'est de la magie. Négatif. C'est de la télétransportation. Comment ça fonctionne, ta télétransportation? Simple. J'ai transformé le corps de Katou en ondes. Comme les ondes sonores de la radio? Exact. Ensuite, les ondes de Katou ont voyagé jusqu'ici, dans l'espace, et elles se sont matérialisées dans ta chambre. Génial! Copernic, c'est génial! Moi qui croyais que l'holographie était le moyen le plus moderne pour reproduire des êtres humains. Lolo quoi? L'holographie, c'est comme une photo, mais une photo en trois dimensions. Quand tu regardes un hologramme, t'as l'impression que c'est la vraie personne ou l'objet réel qui est devant toi. Ah ben tiens, attends, j'ai justement un dossier sur l'holographie. L'holographie, c'est une image lumineuse en trois dimensions. Extra! Nous pouvons voir tout ce que ton robot ordinateur raconte. Il est super, hein? Continue, Copernic. Pour reproduire toutes les dimensions d'un objet ou d'un être humain, on utilise un rayon laser. À l'aide de miroirs, on photographie tous les côtés de l'objet sur une plaque de verre. Ensuite, on développe cette plaque de verre comme une photographie. En la séchant, l'image en trois dimensions apparaît. C'est formidable! On dirait une vraie personne! C'est tout de même incroyable. Je jouais ma guitare et j'étais en train de regarder l'horaire des cinémas sur le Minitel. Et tout à coup, pouf! Me voilà dans ta chambre. Tu as le Minitel? Évidemment. Pas toi? Pas encore. Qu'est-ce que tu fais avec un Minitel? Thank you.
reliée au téléphone, je peux entrer en communication avec un ordinateur pour faire des transactions bancaires, réserver des billets de train ou d'autocar du bout des doigts. Je peux aussi dialoguer avec des amis. Regarde! Rapide. Comment se fait-il que tu n'en aies pas encore? Où habites-tu? À Montréal. Montréal. Ce n'est pas à Paris, ça? Mais non, Montréal, c'est au Québec. Montréal? Au Canada? Tu veux dire que je suis au Canada? Mais évidemment. Toi, tu habites à Paris. Oui, enfin... J'étais à quelques minutes à peine. Je t'avoue que je me sens un peu perdue. J'ai une suggestion, Julien. Tu devrais lui faire visiter Montréal. Bonne idée, Copernic. À pied? Mais non, j'ai ce qu'il faut ici. Regarde. Il y a plein de neige. C'est normal, j'ai fait mon fichier sur Montréal l'hiver. La maison où je reste. C'est drôle. Tous les escaliers sont à l'extérieur des maisons. Mais oui, les maisons étaient construites comme ça en 1920. Ça, c'est mon école. Elle est à quelques rues d'ici. Regarde. C'était pendant un cours de musique. Après l'école, je viens souvent jouer ici avec des amis. Ça, c'est la rue où je magasine. Je trouve quasiment tout ce dont j'ai besoin ici. Mais s'il n'y a pas ce que je veux, j'ai qu'à prendre le métro. En 5 minutes, je suis dans le centre-ville. Il est bien, ton métro. C'est l'un des plus modernes au monde. Chaque station a été dessinée par un artiste différent. Je n'impressionne pas. À Paris, nous avons 2 métros. Comment ça, 2? Un vieux et un moderne, comme le tien. C'est surprenant. Rien de surprenant. J'ai réponse à tout. Non. Ce qui me surprend, c'est que tout soit en français. Les noms des rues, les noms des magasins. Je ne savais pas que tout le monde parlait français à Montréal. Pas tout le monde, mais presque. Exact. Montréal est la 2e ville francophone au monde. Et Paris? C'est la première. C'est à mon tour d'être surpris. Qui t'a dit ça? J'ai un fichier sur la francophonie. Plus de 100 millions de personnes à travers le monde parlent le français. La majorité de ces personnes se trouvent en France. Mais on parle aussi le français dans d'autres pays, en Europe, en Amérique, en Afrique et même en Asie. On parle peut-être tous le français, mais on ne se comprend pas toujours. Exact. Comme dans toutes les langues, tous ceux qui parlent le français ne se comprennent pas toujours à cause des différents accents. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Est-ce que vous êtes français? Et vous? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous la française? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Est-ce que vous parleriez français par hasard? Parlez-vous français? 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 Eh les mecs, parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français?
Parlez-vous français? Vous parlez français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? J'imagine que toi, tu as l'accent parisien puisque tu viens de Paris. Hip, cher, je n'ai certainement pas l'accent marseillais, petit, ni l'accent breton. C'est incroyable, tu sais, il y a tellement d'accents en France. Au fait, je me demande pourquoi je voulais communiquer avec la France. Nous cherchions un boulanger français. Ah oui, 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 je me souviens maintenant. Mais il y a certainement eu une erreur. Je voulais parler à un boulanger français. Je ne fais jamais d'erreur. Les erreurs, c'est pour les humains. Je te donne les images que tu m'as demandées. C'est tout. Je me suis peut-être trompé de touche. Positif. Je suis française, il n'y a pas d'erreur, mais pas boulangère. Mon père non plus, d'ailleurs. Dommage. Pourquoi? Je voulais savoir d'où venait le nom pain français. Du pain français. Oui, oui, tu sais, le pain qui est très long, gros comme ça. Ah, tu veux dire une baguette. Une baguette? Ici, on appelle ça du pain français. C'est normal, ce sont les Français qui ont inventé la baguette. Tu as entendu? Positif. J'aurais trouvé la réponse si tu m'avais demandé de regarder dans le bon fichier. Bon, c'est encore de ma faute? Exact. Laisse faire tes remarques désobligeantes et contente-toi de garder en mémoire l'information qu'on te donne. Pourquoi tu ne l'enregistres pas dans la tienne? Ben, je ne peux pas tout retenir. Ma mémoire est supérieure à celle des humains. Je n'en suis pas si sûre. Ma mémoire est illimitée. Eh bien, moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Mémoire d'éléphant. Aucune définition disponible. Cela signifie que je me souviens de tout en détail sans jamais me tromper. Une mémoire d'éléphant, c'est une expression, Copernic. D'ailleurs, je me demande pourquoi on dit une mémoire d'éléphant. Très simple, parce qu'un éléphant a une trompe, donc il ne se trompe jamais. Illogique. C'est juste pour rire, Copernic. Ah. Tu penses vraiment que ta mémoire est supérieure à celle de Copernic? J'en suis certaine. OK, nous allons faire un petit test. Quand tu voudras. Prêt, moi aussi. Le premier qui me donne la définition du mot que je vais vous dire a la meilleure mémoire. Vas-y. Vipère. Un serpent. Wow! Attention, Copernic. Continue. Bégonia. Une fleur. Décidément, ta mémoire a dératé. Une autre définition. Thaïlande. Un pays asiatique. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Capacité de mémoire étonnante. J'en déduis que nous avons affaire à un ordinateur. Ce qui est, selon la logique, tout à fait impossible. Tu trouves que je ressemble à un ordinateur? Positif. Du point de vue de la mémoire. Ta logique est comme ta mémoire, elle a des ratés. Le cerveau humain est beaucoup plus puissant que toi. Dis-moi, comment tu fais? Je ne sais pas. Je dois avoir un don. Je retiens tout par cœur. Les numéros de téléphone, les dates historiques, les formules mathématiques. J'ai ma guitare depuis une semaine et j'ai déjà mémorisé tous les principaux accords. Tu apprends la guitare? J'essaye. Je me demande d'où vient la guitare. C'est un copain qui me l'a donné. Non, 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 je voulais dire qui a inventé la guitare. Ah, bon. Les Arabes, cette fois, j'ai été plus rapide que toi. Comment as-tu fait? Très simple. J'ai consulté ton fichier sur la musique. La guitare vient des pays de l'Orient et elle a été introduite en Espagne par les Arabes il y a très longtemps. Il fallait être ingénieux pour inventer la guitare. La fabrication d'une guitare demande beaucoup de travail et de patience. Pour faire une bonne guitare, il faut des bois précieux qui viennent parfois de pays lointains comme l'Inde, le Brésil ou le Gabon. Chaque partie de la guitare est construite dans un bois particulier. Regarde, il est en train de fabriquer la table d'harmonie. Thank you.
différentes parties sont découpées et assemblées avec minutie. Il installe le manche de la guitare. Et les cordes. Lorsque toutes les pièces sont montées, il ne reste plus qu'à accorder la guitare et à jouer. Pouvoir jouer comme ça un jour. Un bon joueur de guitare pratique plusieurs heures par jour. Je sais. Moi aussi, j'aime bien la guitare. Tu pourrais me donner des cours? Si tu veux. Je veux bien. Mais il n'est pas certain que je puisse revenir ici. C'est vrai? Je ne me rappelle même pas comment j'ai fait pour te télétransporter. Moi, je m'en souviens. J'ai une mémoire d'éléphant. Tu as tapé le code ZA 238 LG 59. Dire que je croyais avoir tapé boulanger. Pour retourner à Paris, qu'est-ce que je fais? Simple. Il suffit de composer le code, puis d'appuyer sur la touche de contrôle et sur la lettre A pour annuler. Essaye, Julien. Je vois si ça fonctionne. D'accord. ZA 2 B. Erreur. Il faut faire le... ZA 238 LG 59. C'est facile à retenir. ZA 238 LG 59. Voilà, tu es prête? Vas-y. Contrôle A. Génial! Voyons maintenant si on peut la faire réapparaître. ZA... Y a rien qui se passe. Tu as oublié de presser la touche de retour. Ah oui. Super! T'as fait bon voyage? Trop court. J'avais un message de ma copine sur Minitel. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Je peux reproduire le message. Ah oui? Voilà. Sans sas, Copernic. Catou, je t'attends devant le cinéma à l'heure convenue, Julie. Ah, il faut que j'y aille, si je ne veux pas louper le début du film. Bon, je refais le code. Ça y est, j'espère que tu ne seras pas en retard. Ciao, Julien. Ciao, Copernic. Catou, attends. Tu peux revenir quand tu veux. Exact. Tu n'as qu'à composer le code sur ton Minitel. D'accord. Ciao tout le monde. À bientôt. Salut, Catou. Ah, ça me fait une amie de plus. C'est drôle, elle est toute petite et maintenant qu'elle n'est plus là, il y a comme un grand vide. Illogique. Un petit volume ne peut pas créer un grand vide. Tu ne peux pas comprendre. Enregistre plutôt ce qu'on a vu aujourd'hui. Positif. La guitare. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? La francophonie. Parlez-vous français? Montréal. Le Minitel. L'holographie. Le pain. Mais...
Maintenant, tu vas te reposer. Négatif. Je n'ai jamais besoin de repos. Tu oublies que ta mémoire a eu des ratés tout à l'heure. Exact, mais... De toute façon, j'ai ma pratique d'escrime. Salut, Copernic. Salut, Julien.